L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin Henri Guénaud, député Les Républicains des Yvelines. Messieurs, c'est à vous. Les Républicains Bonjour. Consacrent leur première convention aux religions et d'abord à l'islam dans la République. Vous êtes l'organisateur des débats qui vont déboucher fin juin sur un rapport remis à Nicolas Sarkozy à son état-major. Bienvenue Henri Guénaud. Bonjour. Bonjour. Toutes vos conventions sont publiques. Pourquoi aujourd'hui le huis clos ? Parce qu'il ne s'agit pas d'une convention, tout simplement. Si de temps en temps les journalistes pouvaient faire leur métier. Depuis le début de cette mission, nous avons dit, Gérald Darmanin et moi, qui sommes chargés de cette mission sur l'islam par le président Sarkozy, que nous organiserions dans nos travaux une journée de travail avec les D'accord, élus mais vous voulez de à huis clos. Vous voulez de la transparence en général ? Non, pas moi. Et vous vous enfermez dans un entre-soi contesté. Moi, d'abord, la transparence, c'est pas mon viatique. Deuxièmement, je suis totalement opposé à la politique spectacle, totalement opposé. Je pense que la politique doit apprendre à travailler dans la sérénité, à travailler dans le calme. Je sais que ça ne plaît pas à beaucoup de journalistes parce que quand ils sont pas invités, parce que je regarde depuis deux jours la presse, quand ils sont pas invités, ça les énerve. Alors, si vous faites une convention, c'est du spectacle. Si vous en faites pas, c'est que vous avez quelque chose à cacher. Mais par exemple, nous allons travailler. Mais pas que les journalistes. Regardez, votre amie Nathalie Kosciusko-Morizet dit que c'est une mauvaise idée de faire cette réunion de la journée et de parler de l'islam tout de suite. Mais d'ailleurs, Nathalie sera là. Nathalie Kosciusko-Morizet viendra. Elle trouvait que c'était une mauvaise idée de faire une convention, mais comme il n'en a jamais été question et qu'il a toujours été question de faire une réunion de travail, je pense qu'elle doit être satisfaite. Henri Guénaud, les Républicains sont en plein nini. Ni unité, ni projet commun d'alternance, ni budget équilibré. Il y a même plutôt des déficits. Il y a les problèmes de la sécurité, des problèmes du chômage, pourquoi faire de l'islam une priorité, une urgence ? Mais c'est pas une priorité ou une urgence plus grande que les autres priorités, les autres urgences, mais enfin, nous avons décidé d'y réfléchir et d'en parler. Alors, pourquoi c'est un problème grave ? Parce qu'il y a des tensions, parce que aujourd'hui on voit bien que les problèmes se posent. Quoi ? Le gouvernement nous explique par la bouche de Stéphane Le Foll, il dit, c'est un regard extrêmement inquiet sur votre initiative qu'il porte. Alors, il veut savoir où votre parti, qui se prétend républicain, veut aller. Il le saura le moment venu, mais il nous avait habitué, en tout cas il m'avait habitué, à plus de dignité dans le discours. Alors au-delà de la polémique naturelle du débat politique, il est le porte-parole du gouvernement. Bon, il est indigne de la part d'un gouvernement de porter un tel jugement sur le plus grand parti de l'opposition. Voilà, d'employer de tels mots. Il n'y a plus de liberté. Il est inquiet, mais inquiet de quoi ? Inquiet de quoi ? Enfin, nous assistons depuis quelques jours à la coalition des bonnes consciences et des autruches. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de sujet. C'est-à-dire que vous exigez le droit au débat sur ce problème de la religion et de l'islam. Je le prends, de travailler sur les sujets qui concernent les Français, qui concernent la France et son avenir, et notre façon de vivre ensemble dans l'avenir. Oui, mais en même temps, on sent que c'est un sujet qui divise, vous les Républicains. Alors, des sujets qui divisent, il ne faut pas en parler. Et qui marque une sorte de clivage dans la société, c'est un sujet qui brûle. Donc il ne faut pas en parler. Non, au contraire, il faut le traiter, peut-être même ouvrir. Mais ça, c'est extraordinaire, Jean-Pierre Elkabbach. Vous parlez de l'immigration, vous êtes xénophobe. Bon, vous parlez de la sécurité, vous êtes facho. Vous parlez de l'islam, vous êtes islamophobe. Mais enfin, vous pensez que c'est un sujet qui va jouer un rôle important dans les prochaines années, dans les prochains mois ? Mais évidemment, il joue déjà un point important. Il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet avec les mosquées, avec les gens qui prient dans des caves et les maires qui ont du mal à construire des mosquées parce que la population est divisée. Il n'y a pas de phénomène de rejet, il n'y a pas de phénomène de méfiance. Il ne se passe rien, tout va très bien. Mais si on veut que les choses se passent bien, il faut en parler. Si on veut que les choses se passent bien, il faut en parler, il faut travailler et il faut trouver des solutions. Sinon, vous ouvrez la voie à tous les extrémismes et à toutes les démagogies. C'est irresponsable. Là, nous avons en face de nous, sur tous ces sujets, la sécurité, l'immigration, on va aller plus loin. On a en face de soi la coalition des bonnes consciences, des petites lâchetés, et des irresponsabilités, voilà. Et ça fait pas une bonne démocratie. Ça fait le contraire de la démocratie. Entre nous, c'est pas parce qu'il y a la concurrence du Front National et que vous faites de la surenchère ?
Non mais là, quand c'est pas un problème de concurrence, le Front National. Front National, c'est aussi un problème pour la démocratie, c'est aussi un problème pour la République. De voir partout les extrémismes monter, de voir la démagogie envahir tout le débat public. Voilà, c'est un sujet. Alors Henri Guénot, votre journée commence là dans une heure, vous sortez d'ici, vous allez directement, j'allais dire à l'UMP chez les Républicains, vous allez avec Nicolas Sarkozy un certain nombre d'élus recevoir, des gens de la société civile et des gens des religions. Mais le Conseil du culte musulman créé en 2003 par Nicolas Sarkozy, je montre peut-être un peu ingrat, il dit qu'il ne veut pas cautionner d'être instrumentalisé par un parti politique, à plus forte raison de droite. Est-ce qu'ils vont boycotter ? À plus forte raison de droite, parce est-ce qu'ils vont boycotter ? Être instrumentalisé par un parti de gauche, c'est mieux. Non, nous jamais par tous les partis, oui, mais pas un parti de droite, non. Bon, alors, voilà. Bon, est-ce qu'ils boycottent ou pas ? Alors, nous n'avons jamais eu l'intention d'instrumentaliser quiconque. Deuxièmement, le CFCM ne s'est pas prononcé officiellement. Là encore, les journalistes qui ont écrit écrit les papiers ce matin. Hier, on prit un individu parmi d'autres qui a fait des déclarations dont il est coutumier intempestive. Il y aura des représentants du Conseil du culte musulman dans les, pour vous au moment des travaux. Qu'ils seront présents. Il y aura, oui, vous verrez qu'ils seront présents. À titre personnel. Ils seront présents. À titre personnel. Non, pas à titre personnel, ils seront présents. Est-ce qualité ? Et ils ont changé d'avis alors ? Vous les avez convaincus ? Vous les avez séduits ? Non, mais je ne sais pas s'ils ont changé d'avis. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'ils ont. Quand ont-ils dit non ? Le grand rabbin de France, Haïm Korsia, et les évêques ont accepté de venir parler des religions ou accepteraient, mais pas venir pour juger de la religion. Mais d'ailleurs, nous avons fait un communiqué de presse hier. Ouais, bien sûr, on ne leur demande pas de juger l'islam, mais nous non plus, nous n'allons pas juger l'islam. Nous allons réfléchir sur la manière dont nous pouvons vivre ensemble et sur les problèmes de la religion. Attendez. Quand même quelque chose a changé dans le monde. Hein. La religion a pris une importance considérable, comme toujours pour le meilleur. Et moi, je suis croyant, mais aussi pour le pire. Regardez l'état du monde. Oui, un sujet dont il faut parler. Vous déplorez que la loi qui interdit le port du voile à l'université, la burqa, ne soit pas appliquée. Non, pour l'instant, on n'interdit pas le port du voile à l'université. La burqa, je trouve, la loi sur la burqa n'est pas bien appliquée. Oui, c'est un fait. Voilà. Et vos dirigeants semblent avoir évolué. Parce que tantôt, vous dites il faut intégrer, tantôt, vous dites assimiler. Moi, ce matin, qu'est-ce que vous dites ? Moi, j'ai toujours dit assimiler, c'est le programme de la République depuis 200 ans. Il faut arrêter de donner à ce mot une connotation péjorative. Intégrer, ça veut dire, ça renvoie à une dimension matérielle. L'emploi, le logement. Assimiler, ça renvoie au partage d'une culture commune, d'une morale commune, d'une histoire commune. Mettez-vous d'accord, chez les Républicains, vous avez entendu Alain Juppé sur Europe 1 et télé, l'idée d'assimiler les gens n'a pas de sens. Eh bien, moi, je suis en désaccord profond avec cette remarque. Voilà, je suis un Républicain, c'est d'ailleurs le nom de notre parti. La République, c'est l'assimilation. Ça ne veut pas dire qu'on exproprie les gens de leur propre histoire, qu'on leur demande d'oublier d'où ils viennent. Mais ça veut dire que nous leur demandons à tous de partager un imaginaire commun, une culture commune, une morale commune. Et ça ne s'appellera pas l'islam en France, mais l'islam de France. C'est vers ça que vous travaillez. C'est ce que nous aimerions, c'est ce que nous aimerions bien arriver à faire. Voilà. À construire tous ensemble l'islam de France. Est-ce que vous allez recommander, Henri Guénot, d'adapter ou de réformer la loi de 1905 ? D'abord, les recommandations, vous les verrez dans le rapport final. Mais il n'y a aucune raison de ne pas réfléchir à d'éventuelles petites adaptations de la loi de 1905 si elles apparaissent nécessaires. En tout cas, il ne faut pas toucher à l'édifice dans son ensemble et à ses fondements. Ce serait ouvrir une boîte de Pandore dont personne ne sortirait gagnant. Deux questions d'actualité. Les 6 ex-collaborateurs importants Nicolas Sarkozy ont été entendus en garde à vue. Tous sont sortis dans la soirée. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'en pense d'abord qu'il y a beaucoup de justice spectacle et que je m'interroge sur l'avenir de la séparation des pouvoirs en France. Voilà, c'est tout. Mais il n'y avait pas des excès dans les dépenses. La justice dira s'il y avait des excès. Deuxième remarque, très vite, l'État accepte la proposition de Jean-Bernard Lévy de céder à EDF les réacteurs d'Areva. La partie importante qui restera devrait être recapitalisée par l'État actionnaire. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'en pense qu'une erreur a été commise en faisant Areva, c'est la gauche qui l'a fait en 2001, en réunissant la COGEMA et Framatome. Mais vous avez confirmé ce qui avait été nommé par la gauche. Non, mais je pense que le fait d'avoir fait Areva et d'avoir réuni Framatome et la COGEMA à l'époque, c'est-à-dire les réacteurs d'un côté et le traitement des déchets de l'autre, était une erreur. Voilà. Il est temps de revenir sur cette erreur qui nous coûte très cher. Et c'est vrai que la gestion de l'entreprise et la stratégie n'ont pas été suffisamment, sans doute, sur
surveillé au cours des dernières années. Voilà, c'est le résultat, il est sous nos, le résultat est sous nos yeux. Mais une dernière chose, si on ne nomme pas les problèmes, si on refuse de parler des problèmes les plus graves, ils ne peuvent que s'aggraver. Ces petites lâchetés tuent la République et tuent la démocratie. Vous en avez parlé ici voilà. Sur Europe. Bonne journée. Merci Henri Guénaud d'être venu en direct ce matin sur Europe 1. Merci Jean-Pierre. On vous retrouve demain matin à 8h20.